C'est un des d'ailleurs se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Oaken. C'est un roguelike en tour par tour qui est assez mignon. On va jouer à un petit esprit de la forêt qui va essayer de la purifier tout simplement parce qu'il y a une espèce de corruption qui est au train d'arriver. Allons-y, on va découvrir le jeu, nouvelle partie et on y va. Nous avons le choix entre deux héroïnes, nous avons la damoiselle et nous avons Aya. On va prendre la damoiselle pour débuter parce que c'est le personnage qu'on a quand on commence. Donc sous le feu ennemi, même avant l'ellipse, les crashers, les plus malicieux aimaient s'entraîner sur les cibles mobiles. Donc là vraiment on va commencer doucement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est ces cartes à retirer, oui ça on verra plus tard. Ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est que là c'est mon héros, donc s'il meurt, hein, bah, j'ai perdu, vous l'aurez compris. J'ai donc des alliés à invoquer pour m'aider. Et vous savez, l'espèce de petite courbe ici, vous voyez. Ça indique la direction dans laquelle on peut attaquer. Je peux attaquer devant moi, donc vous voyez par les cases qui sont en surbrillance. Ça, ça veut dire que je peux attaquer. Par contre, s'il arrive là ou là, il me fait des dégâts supplémentaires et je peux pas l'attaquer. Pour ça, il faudra donc que je choisisse mon orientation à la fin de chaque tour. Mais allons-y. On va retirer peut-être un sort d'empalement. Et je pense que c'est pas mauvais. Ok. J'ai placé... Alors, j'ai mon mana qui est ici. Le coût du mana est indiqué ici. J'ai les points de vie et les points de dégâts, entre guillemets, qu'il peut faire. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais invoquer un grignon. Le grignon, je vais mettre ici. Et il va, vous voyez, purifier, hop, devant lui, les cases. Et là, c'est cool. Parce que ça veut dire que maintenant, quand je vais pouvoir venir, quand je vais me mettre dessus, je vais gagner des boucliers. Donc, je vais gagner un peu de force, un peu de dégâts et en même temps, un petit peu d'armure. Vous voyez, ça, c'est quand même hyper pratique. Donc, je vais m'avancer un peu. Et on va faire un fin de tour. Adversaire. Ah, il m'attaque à distance. Ça, par contre, je ne savais point. Ok, là, j'ai réussi quand même à contre-attaquer. Ça me coûterait 3, je pourrais empaler quelqu'un directement, mais c'est pas vraiment le top. Je pense que je vais me positionner ici. Je vais attaquer. Comme ça, ça c'est fait, on n'en parle plus. Je vais mettre un tracker qui va attaquer. Hop, le tracker, tu vas... Oui, donc faudra d'abord te positionner. Toi, tu vas avancer un peu, ici. Et je voudrais que tu attaques... Bah, tu vas attaquer ici, boum, comme ça c'est fait. Ensuite, vous voyez, j'ai des sorts. Par exemple, vous voyez, je peux infliger un point de dégâts à un adversaire. Bon, là, ils ont tous les deux 2 points de vie, donc... Enfin, ils ont tous les 3 2 points de vie, c'est pas intéressant. Je peux créer un point vert tout près de moi. Par exemple, ici. Hop. Donc là, j'aurai un petit bonus en mettant dessus. Je peux également soigner un allié. Par contre, ça me prend encore une fois des points de vie. Donc, je vais soigner, par exemple, bah, moi-même. Parce que je suis un peu en galère de points de vie. Fin de toi. Là, ils ont attaqué mon tracker, donc le tracker va mourir. Clairement, il va décéder. Je vais créer encore un point tout près de moi ici, boum. J'ai un objectif secondaire qui fait que je dois simplement essayer de ne laisser aucune case corrompue, on va dire. Je suis désolé, je bégaye un peu, j'avoue j'ai 42 fièvres. Du coup j'ai un peu mal à me concentrer pour être honnête avec vous, mais bon on va faire avec, hein, on va faire avec. De toute façon vous n'avez pas trop chaud et moi non plus je crois, donc bon. Je vais mettre un gars là et toi tu vas, ouais, tu vas essayer de, hop. Toutes les zones seront... Il y aura un bonus pour les zones. Et on peut infliger un point de dégâts. Bon, on va te mettre ça là. De toute façon, on a du mana en rab. Donc, autant se faire plaisir. Toi, t'es mort. Et bah là, l'objectif est atteint. Donc, tu vas te placer comme ça. Tu vas attaquer. Et c'est gagné. Donc là, on a réussi à récupérer 2 objectifs. C'est tout bon. On gagne à quasiment niveau 2. On a gagné des lumis. Les lumis servent à améliorer nos cartes. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Feu follet courageux, gagne 1 en force chaque fois qu'un allié proche meurt. Augmente le bouclier 2, c'est pas mal. Vas-y, on va faire ça. Boum, ça me paraît pas mal. On enchaîne. Je pensais qu'on devait recommencer le tuto, mais non, même pas. C'est cool, ça fait du bien. Vaincre tous les adversaires, qu'est-ce que c'est? Cristaux de Lumi, récupérez-les pour gagner de la poussière de Lumi. Et guère votre fatigue. D'accord. Ok, ça me va. Carte à retirer, en vrai, j'ai pas envie de retirer de carte. Hein. Ça me va très bien ce que j'ai en main pour débuter. Qu'est-ce que c'est que ça du coup? Une lumi-lanterne éclipsée. Bloque le champ de vision et immobile, incapable d'attaquer ses... D'accord, ce quartier peut être modifié. Donc lui ne peut pas attaquer. Ok, ça j'avais jamais vu cette créature, je sais pas tout ce qu'elle fait. Là c'est un perrier qui, ouais, un tarier qui appelle des adversaires. Mais ça il faut quand même que je la détruise, c'est mon objectif. Ok. Là c'est corrompu, fatigué, ok. Bon on va mettre ça directement. Comme ça je pense, boum. Voilà, parfait. On a un bonus. Je vais essayer de créer une zone sur moi pour augmenter un peu mes dégâts et surtout mon bouclier. Toi, tu vas attaquer. Ça, c'est fait. Toi, tu peux pas attaquer encore. Et bah, c'est la fin de mon tour.
Ah ouais, ça la fout mal par contre. Bah toi, tu vas te retourner, tu vas attaquer. Par contre, il fait 3 points de dégâts, donc je vais essayer de l'achever avec une épine. Ah mince, la cime se trouve pas dans mon champ de vision. Ok, si je me mets plus comme ça. Voilà, comme ça, ça devrait être bon. Toi, t'es achevé, comme ça, c'est fait. Ouf, et du coup, d'accord. Et ça, autour, ça remet de la corruption. C'est pas très ouf, ça. On va pas se le cacher, c'est pas ouf, mais bon, tant pis. Je vais mettre un tracker. Le tracker va venir ici, je pense. Hop là, boum. Fera un peu de dégâts. Fin de mon tour. Le jeu est mignon, hein. En plus traduit en français, donc c'est vraiment cool de pouvoir y jouer. Je remercie Eded de m'avoir envoyé une clé. Aya. Alors ça, Aya, c'est un autre héros qu'on peut placer. C'est vraiment genre notre carte phare, on va dire un peu. Et elle inflige un point de dégâts aux ennemis civilisés dans son champ de vision. Donc, par exemple, si je la mets là, comme ça, je pourrais infliger un point de dégâts à chacun. On va le faire. Hop, comme ça, c'est fait. Donc un point de dégâts là et là. Ah, par contre, j'ai plus de mana. Bon, tant pis. Toi, tu vas attaquer. Toi aussi, tu attaques. Allez, encore un peu, on va y arriver. L'autre va attaquer, j'imagine même pas, elle a pas attaqué. Ok, je suis un peu surpris, mais elle a pas attaqué. Toi, tu vas attaquer ici. Ah, là, il est, ok. Et ça, c'est parfait, tu l'es fait. Donc ça, c'est fait, c'est acté. Toi, est-ce que tu peux attaquer? Tu peux attaquer, mais ça suffira pas, je pense. Hein. Ouais, par contre, je vais pouvoir t'achever avec un... avec ça. Parfait, là, c'est bon. Je vais mettre un point, hop, pour essayer de booster un peu mon pote. Et je vais mettre un grainon ici. Hop là, et lui il va purifier les 3 cases devant lui, et ça c'est cool. Fin de mon tour, pour l'instant ça se passe vraiment bien, hein. On va pas se le cacher, ça se passe très très bien. Toi t'es mort, et c'est la fin. Et là c'est bon, on a gagné, on a perdu personne, j'ai pas été blessé, donc c'est positif à mort. Alors qu'est-ce qu'on a? Un feu follet affûté. Et se retrouve accéléré. Bénéficie d'un placement supplémentaire. Non, adieu. Créer un brindillon, s'active à la mort de la cible. Ok, et globe de lumi. Utilisant pour améliorer un sort. Ok, bah on va le faire. Et là on va se rendre ici. Et donc là on a une espèce de petit événement. Une terre à semer, un grand champ de verdure grouillant d'esprit affairé. Le genre de scène que l'on voyait fréquemment quand on traversait la couronne du grand chêne. L'esprit qui dirige ici ne semble pas vouloir quitter son poste, même pour le bien de tous. On peut encourager l'un des ouvriers. Ok. On peut envoyer un remplaçant. Ok. C'est pas une unité pour recevoir un cracheur d'encens. Bref. C'est pas mal, mais. C'est pas dingue non plus. Cueillir des plantes riches en lumi. Et après, on sera fatigué. D'accord. Bah, vas-y, je vais t'encourager. Même si l'ouvrier principal est resté sur place, un esprit moins important a accepté de vous rejoindre. Ah, bah, nickel. Et du coup, on a un Isatis, un rôdeur. Ou un orbelin. Ça fait quoi? Croissance. Génère 1 en étant appelé ou en se déplaçant. C'est pas mal. Pour générer des cases de force. Par contre, il est moins chaud que le rôdeur. Je vais prendre lui quand même, parce que ça peut être cool de nous générer des bonnes cases. On enchaîne. L'idée, c'est d'aller plus loin possible. Au bout d'un moment, on va forcément mourir. Et bah, vous l'aurez compris, quand vous recommencez une nouvelle partie, vous avez des nouvelles cartes débloquées et vous allez de plus en plus loin. C'est le principe. Un orbelin, ça peut être pas mal. Ouais, je vais invoquer un orbelin, je pense. Ici. Boum. Toi, tu vas te déplacer peut-être plus par là. Tu vas continuer à faire des petites cases aussi. Genre là. Ah bah non, mon orbelin aurait pu se déplacer là. Donc non, c'est quoi de mon... Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai mal géré, mais tant pis. Ne laissez aucun de vos alliés mourir. Ah, j'aime bien laisser mes alliés mourir en général, donc bon. Toi, tu peux te déplacer. Ok. Et toi, tu vas... Oui, si t'attaques, t'es mort. Ok, bah tant pis, on va faire un truc tout bête. J'inflige un point de dégâts. Comme ça c'est fait, c'est acté. Et toi t'aurais plutôt dû rester là-bas, mais tant pis. Je vais mettre un grainon. Qui devrait nous mettre, hop, va nous mettre plutôt bien. Et là on a un bonus ici, et ça c'est cool. Je vais créer une case toute proche. Bah toi, sur toi, voilà, parfait. Là on est en train de purifier la forêt, ça c'est cool. Ok, nickel, c'est moi qui l'ai attaqué. Par contre ils se font des passes avec ma tête ou quoi là? Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'ils se font des passes avec ma tête. Toi, t'es mort. On va venir ici. Hop, on va attaquer. Ah, il avait un point d'armure. Ok. Et bah, t'es foutu. Et je vais essayer de me soigner un peu parce que j'ai bien vu que c'était compliqué. Là, on va soigner un peu. Toi, tu vas venir là. Il va nous gérer une case de plus. Et toi, tu vas venir ici, tu vas fuir. C'est notre héros qui va tout tanker pour l'instant. Et encore tout tanker, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud du slip, là. Hein.
Si je mets un fiche 4 points de dégâts, je pourrais tuer direct. Oui, bah attends, on va faire un truc tout bête comme ça. Toi, t'es mort. Boum. Là, c'est bon. On a fait tous les objectifs secondaires en plus. On est bien. On gagne de l'XP en plus. Choisissez vos récompenses. Feu follet, docile, créer un brin d'ion. Ne peut pas être réutilisé avant d'avoir... ok, je sais pas ce que c'est qu'un brin d'ion, mais ok. Peut également être appelé sur n'importe quelle case. Ouais. Bah... je sais pas trop si je vais prendre le brin d'ion. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien le terme brin d'ion. Ça me plaît bien. Alors, le vieil esprit. Ce vieil esprit semble sur le point de succomber à l'éclipse. Ok, donc l'éclipse, c'est tout ce qui est, vous savez, corruption. Mais peut-être n'est-il pas encore trop tard pour le secourir. Objectif, soigner Anjou. D'accord. Eh bah ok, on va soigner Anjou, pas de problème. C'est lui Anjou. Soigner Anjou. Et comment je fais pour le soigner? Ah bah avec mon sort. Ok, je vois le délire. Je vois le délire. Ok, bon on va faire un truc tout bête. Là je vais m'avancer. Encore même pas, je vais faire ça. Boum. Déjà il va être sur une bonne case. Ensuite toi tu vas venir ici pour le protéger. Et tu vas en même temps le soigner. Hop là, on soigne tranquillement. Fin de toi. J'ai pas d'objectif secondaire, donc c'est pas grave en soi. C'est pas très grave. Par contre, on va le... je vais mettre un tracker ici. Parfait. Je vais mettre... ah, ça coûte trop cher, là. Le tracker va mourir. Si là, j'attaque, ça va être complicado. Ah, je sais pas trop quoi faire, là, pour le coup. Hein. De toute façon, faut que je le soigne. J'ai pas le choix. Je vais mettre un... ça ici, pour essayer de booster un peu son... ses points de vie pour pas qu'il meure au prochain tour s'il se fait attaquer. Je vais m'orienter plus dans cette direction pour être tranquille. Et je vais continuer à le soigner. C'est l'objectif principal, donc autant y aller. Il va attaquer de ce côté-là, c'est pas très grave en soi. Toi, je pourrais te finir. Bah même, c'est ce qu'on va faire. Toi, t'es mort. Et on va continuer à te soigner, tranquillement. Ah par contre, à chaque fois que je le soigne, ça lui augmente ses dégâts à lui. Ah, ça va être chaud ça par contre. Ça va être chaud du slip ça. Ouais. Ça va être chaud du popotin ça. On va te mettre encore ça, pour avoir un petit bonus. Et puis ah, je sais pas trop là. C'est chaud du slip là. Ça marchera pas, je vais... tant pis, je te soigne. Allez, de toute façon, il faut qu'il soit soigné jusqu'à 18. En soi, on va attendre. Ouf, ouais, il va me faire super mal, là, par contre. Ouais, ça va me faire très mal, là, pour le coup. Hein. Bon, toi, tu meurs. On a bien vu que c'était complicado. Moi, je vais me soigner. Non, on va continuer à le soigner, lui. Toi, tu vas venir te déplacer là. On va te mettre un petit bonus. Et toi, tu peux toujours pas bouger. Ok. Bah, c'est chaud du slibar, hein. On va pas se le cacher. Bah, il a rien fait. Ça faisait une éternité que je ne m'étais pas senti aussi bien. Ah c'est bon, c'est validé, on a gagné. Vous voulez bien que je vous accompagne, jeune homme? Ah bah oui, jeune genre, mais oui, carrément, vas-y, on aura un gros tank comme ça, c'est cool. C'est parfait. Bah oui, on va le recruter, c'est cool. Oh mince, j'ai cliqué trop vite, c'est ma faute, bon tant pis. Croissance, allez go. On enchaîne. La danse des feux follets. Quel spectacle incroyable. Il y a tellement de feux follets tourbillonnant ici qu'il est impossible de les compter. Cet événement s'appelle une danse des lumières, et depuis que les esprits habitent dans le grand chêne, ils l'accomplissent pour empêcher Eclipse de se reproduire. De se produire, du moins en théorie. Rejoignez les feux follets pendant un moment. Ok. Tourbillonnez, chantez avec les feux follets. Ou passez toute la nuit à danser. Ouais, on va les rejoindre un moment, et puis c'est tout, quoi. Je sais pas trop à quoi ça sert les feux follets, pour être honnête, pour l'instant. J'en ai plein, mais je sais pas du tout ce qui glande. Mais ok, on va faire ça comme ça, défenseur. Allez, go. Événement. Les Luminati, cette fois, c'est vous que l'on finit par repérer. Trois esprits doux, je vous offre une fabuleuse récompense, vous acceptez de leur donner une part de vous-même. Bah non, allez-vous-en. J'avais pas confiance. Monde des chaînes. Ohé, monsieur le mentor, monsieur le mentor. Il n'est pas là. Peut-être que cet endroit n'est pas le monde des chaînes, finalement. Ok. Je crois que nous avons un problème plus important que ton sens d'orientation n'existant. Regarde ça, j'en ai jamais vu des crépusculaires aussi monstrueux. Ok. Alors, en bordure de la couronne du grand chêne se trouve un crépusculaire. Ça a l'air d'être ça, non? C'est quoi crépusculaire? Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est ça, à mon avis. Ok, non, ça c'est un conquérant. Qui a décrété que la majeure partie d'environ lui appartenait. Ce n'est peut-être pas l'endroit évoqué par le mentor. Eh ben, allons-y. Oh oui, il y a une petite histoire, mais je vous spoil pas l'histoire. Parce que c'est assez... ça reste assez classique en soi. Il a l'air d'être vénère, lui, c'est conquérant.
Donc c'est lui, il faut que j'aille défoncer. On va remplacer ça peut-être. Un grignon. Et bah le grignon, on va mettre ça. Il va se faire défoncer, je sais bien, mais c'est pas grave. Toi tu vas avancer. Je vais créer un. Encore le chemin, et j'ai pas besoin du chemin là. On va en créer un ici au cas où. Si jamais j'ai besoin d'invoquer des troupes pour la prochaine fois. Ah, donc il invoque aussi du monde. Ok, il invoque aussi du monde. Ça, j'avais pas prévu. Toi, je vais t'achever directement, comme ça on n'en parle plus. Je pourrais te faire des dégâts en vrai. Comme ça, peut-être. Là, je pourrais te faire des dégâts. Mais même pas. Ok. Là, je vais créer ça. On va remplacer la corruption ici. On va être tranquille. Ceci indique que quelque chose va se produire ici après X tours. D'accord. Au début, hein. Les unités de base ne peuvent pas apparaître sur le champ de bataille, c'est l'hexagone où elles devront arriver et bloquer. Mais les unités plus puissantes, comme ce crépusculaire, parviennent toujours à se débarrasser de ce genre d'obstacles. Ok, donc là, il s'est barré. Je vais peut-être me barrer par là, du coup. J'ai l'impression qu'il va nous faire des dégâts. Ouais, il va nous faire des dégâts. Ok, je vais essayer de placer, genre, toi, ici, et puis toi, ici. On place des alliés. Comme ça, quand il va revenir, ça va être la fête du slip pour lui. Je vais placer un truc ici, comme ça, boum, on est bon. Ça nous permet d'avoir toujours un endroit un peu plus stable. Ok, ça la fout mal, hein. Il a l'air d'être très très fort, mine de rien. Si je passe un grignon, je peux mettre ici. Je le mets ici, hop. Moi, je vais peut-être me soigner un peu. Parce que c'est pas le tout, mais quand même. Et un autre grignon. Je peux placer un autre grignon. Plaçons un grignon ici, écoute. Hein. Ouais, mais dans le grignon, ça serait dommage. Par contre, je peux y mettre 4 points de vie. Ouais, bah, je vais te mettre 4 points de dégâts. Comme ça, c'est fait. Et toi, tu vas... Ah, si j'attaque... Si lui attaque, il va prendre 4 points de dégâts. Si là, j'attaque, c'est moi qui prends 4. Bah, je préfère que ce soit toi qui prenne des dégâts, en vrai, concrètement. Parce que c'est chiant, mais... Je sais, c'est un peu complicado, mais bon. Ok, et là j'attaque. On va continuer à harceler, et toi tu vas attaquer aussi. Boum. Et je pense que là en vrai on va être pas mal. Mais il est fort, hein. Il est très très fort. Là il se barre, donc ça va être à nous de bouger. Prochain toi. Donc taillons-nous. Toi par exemple tu vas venir ici. Hop, prêt à l'affronter. Toi tu vas te pointer là, aussi prêt à l'affronter. Instable. Inflige un 1, d'accord. Ok, je sais pas ce que ça fait d'être instable. Par contre si je mets ça en place, ça peut faire très mal. Ou je mets un autre grignon peut-être. Genre ouais, allez, un autre grignon, boum. Comme ça c'est bon. Et toi, tu vas peut-être venir par là, je pense. Et ça me paraît pas mal. Et si je mets un orbelin, l'orbelin je vais mettre ici. Voilà, pour qu'il puisse continuer à purifier. Je vais continuer à me soigner. Ou alors je soigne mon poteau là, non? Ouais, je vais continuer à me soigner parce que c'est moi le héros principal. Et si je meurs, c'est un peu complicado. Et on va continuer à purifier les choses. Boum. Et là, je peux pas te faire de dégâts, toi. Ok, fin de toi. Il revient et en plus il booste ses potes. Ouh, par contre il m'attaquait par derrière, c'est la fou mal. Là j'avoue que c'est complicado un peu, on va pas se le cacher, ça va être complicado. Par contre toi tu vas intervenir ici. Boum, un point de dégâts à tout le monde. Toi tu vas te retourner dans cette direction. Toi tu vas venir ici. Et je pense que mieux ça serait que tu l'attaques. Ça a tué tout le monde du coup, j'aurais dû attaquer avec lui et faire déplacer après. J'ai très mal joué là pour le coup. Très très mal joué, mais bon, tant pis. Toi, t'es mort. Je vais me soigner, parce que je prends vraiment trop cher. Tu vas continuer à purifier, toi, tranquillement, le terrain. Et puis, fin de tour. Je prends cher, honnêtement. C'est un beau combat, là, pour le coup. Hein. Ça, à la fois, un peu mal. Donc, ça, c'est tout ce que j'avais fait. L'influence du crépuscule adversaire bénéficie. Ouais, c'est chaud. Ça c'est un allié. Ah c'est un allié, parfait, c'est un allié, j'avais oublié que j'avais lui là. Ah oui c'est vrai, Aya. Bah attaque. Est-ce que je pourrais essayer de te pla... Allez tant pis. Boum, je l'ai tué. Ça c'est fait, je l'ai tué. J'ai pas fait le tir secondaire, j'avais oublié mais tant pis. Allons-y. Ok, on est pas mal hein, on est franchement pas mal. Alors on a quoi? Percussion. Les unités poussées subissent des dégâts de collision, même si elles n'entrent pas en contact avec d'autres. Ouais c'est une babiole, j'ai pas tellement envie. Pousse soi-même un allié proche, non plus. Pisteur ancien, 4-4. Ah, tu fais baisse aux unités, c'est pas mal.
Par contre, il arrive, il est déjà faibli. On va prendre ça quand même. Les babioles, j'aime bien, moi. On va prendre ça quand même. On a quoi? Génère une case, donc une purification, on va dire, en étant appelé ou en se déplaçant, ok. Bonifié de... Ah ouais! Plus 4 points de vie, c'est pas mal. Ne pas être forcé à bouger ni empêcher de se déplacer. Ah, c'est pas mal aussi, ça ferait un point de dégâts en plus, par contre moins de points de vie. Je le prends parce qu'un point de dégâts en plus, c'est quand même cool. On arrive au chapitre 2. Événement, attaque, événement, allez, événement. L'antre des ramasseurs. Les ramasseurs font ce pourquoi ils ont été créés. Ramasser tout un tas de choses, ok. Et quand plusieurs d'entre eux peuvent le faire pendant de nombreux cycles sans être dérangés, voilà le résultat. On peut recevoir un globe de Lumi, chercher un sort, choisir un feu follet. On pourrait recevoir un ramasseur, c'est pas mal. Au lieu de prendre quelque chose, vous avez choisi de faire l'inverse. Un petit ramasseur essaie de vous suivre après avoir vu cela. Je vais poser un feu follet du coup. Je vais poser un feu follet, genre celui-là. Allez, boum, je pose un feu follet. Par contre, voilà, tu as trouvé ta première amélioration. Chaque unité peut être améliorée en la dotant d'un feu follet. Bah ça, que ça sert alors. Il est aussi possible de tenir la version améliorée des sorts et des compétences, mais cela nécessite des globes Lumi. Alors du coup, ça augmente le bouclier reçu de 2. Bah vas-y, toi, t'auras un bouclier maintenant, c'est cool. T'as quoi? Un brindillon, ça crée un brindillon, on va mettre ça sur un tracker. Un feu follet protecteur, empêche les adversaires situés dans un arc de cercle de volume de se déplacer et d'attaquer d'autres cibles, d'accord. On va mettre ça sur un granion, ça c'est quoi? Utilisez-en un pour améliorer un sort. Ah ouais, c'est pas mal. Je vais le mettre sur un... Ah, je sais pas. Ça fait quoi si j'améliore? Améliorer quoi? Je comprends pas trop. Ah, bah j'ai fait un truc, j'ai pas fait exprès, mais tant pis. Ok, c'est pas grave, on y retourne, on est deck. Ça, je vais améliorer quand même ce sort-là. Ça pourrait faire quoi? Absorption, ça fait quoi? Retent de santé au lanceur qui l'a infligé. Ah ouais, c'est pas mal. Donc en gros, ça fait du vol de vie. Ça piège la cible, ça l'empêche donc de se déplacer, j'imagine, ouais. Incapable de... Donc ça le piège. Et ça l'empêche aussi de se pivoter. Ouais. Je vais plutôt prendre ça, parce que du heal, les empêcher de se déplacer, c'est pas forcément le plus... Bon. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris, je crois. Ok, allons-y. On y va. Ok, ça c'est cool, franchement... On est bien, c'est à ça que ça sert, j'ai découvert ça avec vous pour être honnête, hein, mais c'est pas grave. Alors il faut que je laisse aucune corruption derrière moi. Ouais, et là j'ai pas de granion, là, forcément j'ai pas de granion. Par contre j'ai un ramasseur. Il a un arc de cercle étendu, ça peut être pas mal. On va le mettre là, du coup. Ok, fin de tour, mais il va se faire ouvrir du coup, il va se faire éclater. Ah, il va se faire éclater le gars en fait, hein. J'ai un peu merdé du coup, il va se faire éclater. Ok, si je reviens là, est-ce que je peux t'attaquer? Je peux attaquer, je sais pas à quoi ça sert, mais j'attaque. Je découvre un peu le jeu, honnêtement, je découvre encore un peu le jeu. Mais il est pas mal, hein, franchement, il est cool. Ils attaquent quoi, ça? S'ils attaquent là-bas, c'est qu'il y a un truc à faire, je pense. Ok. Et là, je pourrais te faire 4 points de dégâts. Boum. Après, on enchaîne. Tu meurs. Je vais pouvoir, je pense, me soigner de 2. Ça, c'est pas mal. Et toi, tu vas venir ici et tu vas l'attaquer. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Ok, et eh bah ben pour l'instant on est bien. Par contre faut quand même que je continue à purifier les choses. Mais bon, ah, je passe un granion. Le granion va venir ici. Boum, il va tout purifier devant lui, ça c'est cool. Toi, si tu viens là par exemple, est-ce que tu peux le tuer? Non, t'es trop loin, ok. Par contre je vais bah, purifier là, vas-y. Boum, ça c'est purifié. Est-ce que je peux soigner quelqu'un? Moi, je peux me soigner. Bah, je me heal de 2. Sait-on jamais. Pour l'instant, j'ai pas de besoin, c'est clair. Mais bon, dans le doute. Là, c'est mort. Ok. Toi, tu viens là. Je peux lui infliger un point de dégâts, mais ça serait pas le top. Je pourrais me healer. Attends, je vais l'attaquer. Et je vais me healer juste derrière. Comme ça, on le tue et je me heal. Il faudrait que je place un orbelin. L'orbelin va être bon parce que lui, il va vraiment... Continue à purifier tout ça. Tu viens là, boum. Donc là, il va purifier cette zone. J'ai purifié celle-ci aussi. Il en manque encore 8. Ok, bah on a le temps. Il reste encore 4 adversaires. L'orbelin va venir ici. Donc ça aussi, c'est purifié. Comme ça, on n'en parle plus. Moi, je vais pouvoir me pointer par là, peut-être. Et je vais
essayer de purifier cet endroit là. Ça fait plus que 6. Alors ça fait quoi quand c'est instable? Je sais pas tout ce que ça fait. Ça active à la mort. Ah on sera provoqué. Bah écoute, vas-y, on tue. Donc ça c'est fait. Et toi, le grignon, tu peux pas. Si tu viens là, ça va pas faire grand chose. Bah viens ici et attaque-le. Et toi, si tu viens ici, tu. Ouais, ça va pas être le top du top ça. Pour le coup, ça va pas être le top du top ça, cette histoire. Bah recule. Non, si tu recules, tu vas te prendre. Bah vas-y, écoute, tue-le. Comme ça, ce sera fait. On n'en parlera plus comme ça. Je vais pouvoir me soigner de 1. Bah je me soigne de 1 parce que bah on sait jamais, écoute hein. On sait jamais. J'aurais pu passer un grignon aussi. Un grignon, je voudrais placer un peu plus par là où il y a plus de besoins. Par exemple ici, boum. Comme ça, hop. Et 3 cases devant, on est bon. Toi, pareil, c'est purifié. Il manque plus que 2 cases. Plus qu'une bientôt parce que je vais me mettre ici. Plus qu'une case, voilà, purifié. Et toi, je vais te mettre genre là, je pense. Et puis là. Voilà, là comme ça on se blinde, on est tranquille. Nous on va pas se faire attendre, on va pas se faire taper dessus. Ah, par contre de ce côté là c'est pas le top, mais c'est pas grave. Si je te mets par exemple un petit bonus, boum, plus qu'une case. C'est laquelle la case? C'est celle-là, c'est celle-là qui pose problème. Ok, bah attaque. Toi tu attaques. Boum. Et lui va venir ici pour se déplacer. Et nous notre côté on va venir là. On va le regarder droit dans les yeux, on va l'attaquer. On peut pas l'attaquer, ok. Je vais quand même soigner mon pote parce qu'on sait jamais. Et là on va mettre un fin de tour je pense, non? On va venir ici quand même, sait-on jamais. Pour bloquer. Et on pourrait mettre toi aussi. Bah on va te mettre ici, boum. Ça tu vas prendre déjà un point de dégâts. Ok, il faut juste pas qu'on... Voilà, faut juste pas trop s'emballer. Toi tu vas te déplacer. Comme ça tu vas... Voilà, parfait, ça c'est fait. Donc vous voyez là, on a réussi objectif secondaire. Ça c'est cool, toi tu vas venir ici. Je vais te mettre un bonus ici. Comme ça, t'auras plus qu'à attaquer. T'attaques et c'est la victoire. Et là, on est tranquille. Et voilà. Objectif secondaire réussi. Objectif principal aussi. Carte épuisée. Ah! Ah! D'accord. Donc après, ça va être compliqué. Je vois le délire. Décomposition. Consomme une carte purifiée. Enfin, en tout cas, une zone purifiée en dessous de ses pieds pour infliger exposition. Non. Un pisteur, c'est pas mal. Ou un gardien ancien. En plus, l'adversaire situé dans un arc de cercle devant lui de se déplacer. Je vais prendre un gardien ancien. C'est quand même pas mal. Récolte dangereuse. Même si cette zone semble totalement éclipsée, vous apercevez plusieurs lueurs vives à sa lisière. Prenez plus proche, endurez la fatigue, ignorez les lumières. Je crois qu'on est déjà pas mal crevé, hein. Mais je vais quand même prendre un globe lumi, mais je crois qu'on est quand même crevé. Ok, bon, on va améliorer un sort. Et là, du coup, celle-là, je pourrais pas l'utiliser pendant un petit bout de temps. Ok, attends, on va abandonner. Toi, ça a déjà été amélioré. Et bah il n'y a plus que toi, du coup on sort, on n'a pas le choix. Hein. Et toi, pareil, je vais te mettre absorption, je trouve ça cool. Voilà, parfait. Donc toi, on t'est épuisé, donc on devra attendre, on n'a pas le choix. Ok. Bah on va filer. Les rochetons toxiques. Contrairement à la plupart des autres esprits, les rôdeurs naissent dans des œufs. Les rochetons sont des proies faciles pour les esprits prédateurs, y compris les autres rôdeurs. Ok, faut protéger tous les... D'accord. Bah... J'en ai qu'un seul. Rejetons. D'accord. Ok, je vois le délire. Je vais me placer là. Je vais mettre un de mes poteaux devant. Parce qu'on sait jamais. Et même un petit bonus ici. Comme ça, il pourra tanker et tuer quelqu'un. Ok, donc là, ils vont s'entretuer. Il est mort. Ah. Ah bah, j'ai perdu l'objectif parce qu'il a été poussé. D'accord. Les gars, vous foutez la merde un peu là quand même. On va pas se cacher, vous foutez un peu la merde. Vous pouvez pas fuir? Non, ils veulent pas fuir. Ok. Et bah ça la fout un peu mal hein, on a déjà perdu objectif hein, ça ouais c'est pas optimal hein cette histoire. Écoute, on te tue, comme ça c'est fait. Je vais mettre une nouvelle zone. Voilà, on essaie de purifier le maximum de zones parce qu'on sait jamais. Je crois qu'il tente de fuir réellement, je crois qu'il tente réellement de fuir aussi les glandules là. On va te mettre devant. Boum, donc là tu vas l'empêcher de bouger. Ça c'est cool pour nous, fin de tour. Toi tu vas venir ici, bam, prêt à tanker. On va protéger le maximum, hein. On aura perdu un peu, mais bon, on aura protégé le maximum. Toi, tu vas attaquer. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre les grénons. Tu vas venir là, boum, comme ça, tu vas faire pareil, nouvelle protection, ça, c'est cool.
Et toi par là. Fab. Pareil, protection. Comme ça, eux, ils seront safe. Et toi, tu vas te pointer là. Ok. Et puis, bah, on va considérer que c'est la fin du tour. Je pourrais attaquer, mais je vais prendre cher. Donc, non, ça serait dommage. On va se poser. Ok, ça, ça me paraît pas mal du tout. Alors, on a quoi? Aya, elle pourrait le tuer, Aya. Aya Nakamura. Aya Nakamura pourrait le tuer. Bah, tu vas venir te pointer. Ouais, tu as 2 points de dégâts, ça fait mal aussi. Écoute, toi, tu vas... Après, tu... Vas-y, meurs. Écoute, tu meurs. T'attaques et tu meurs. C'est pas grave en soi. J'en ai d'autres déglandus. T'attaques et tu le tues. Comme ça, c'est fait. Et il faudrait une nouvelle protection. Genre, toi, tu vas rester là où tu es. Il faudra un ramasseur que je vais mettre ici. Avec un orbelin. L'orbelin va venir ici, il va purifier la zone également. Ok, et si je te viens... Si tu viens là, tu peux le tuer. Parfait, tu l'as tué. Alors on est plus que bien, hein. On les a avec la taxe, hein, les pauvres. Bon, je regrette d'avoir perdu un rocheton, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Toi, tu viens là. Tu attaques. Faites très attention, quand la fatigue d'une unité atteint son maximum de santé, elle meurt et elle n'est plus jouable pendant ce chapitre. Ouf. Ok. En gros, quand elle meurt trop, quoi. Donc là, pareil, faudrait les laisser. Bah, viens là, écoute, hein, j'ai pas choix, de toute façon. Là, je pourrais... tu pourrais mourir. Ça va tuer mon... Si tu attaques, ça tue mon pote. Bon, on va attendre un peu. Est-ce que je peux mettre un bonus? Je peux healer quelqu'un, peut-être? 0, 0, plus 2. Je vais me soigner, parce qu'on sait jamais. Et puis je vais mettre un petit bonus. Je vais purifier encore une zone parce qu'on sait jamais. Toujours bon. De toute façon, j'ai des points de mana en rab. Donc autant les utiliser. Là, tu l'as tué et elle est morte. Bon, elle a pris le tarif. Elle a pris le tarif, encore une fois. Ça fait quoi ça? Un rampant sans âme jaillira du sol ici. Si quelqu'un l'en empêche, l'occupant subira des dégâts. Ok. Bah écoute, déjà, t'as tout le tue. Comme ça, c'est fait. Ensuite, tu l'achèves avec ça. Bam. Et bah je vais me soigner de... Est-ce que tu peux t'approcher toi peut-être? Comme ça je te soigne. Ok bah c'est pas grave, je peux pas me déplacer. Bah je vais me soigner de 2 écoute, pendant que j'y suis. On va purifier une nouvelle zone. Fin de tour, je vais essayer de sauver mes cartes. Je voudrais pas qu'ils soient trop en galère. Ouais bah je vais faire ça et je t'achève. Hop là, ça la fout mal, je sais bien, mais c'est comme ça. Pareil, victoire, ok c'est cool, bah c'est pas mal du tout. On a quoi? Assistance. Confère bouclier à soi-même ou un allié proche. Ah, c'est cool par contre. C'est vraiment cool. Ça, je prends. Vous avez trouvé un endroit où vous reposez et planifiez vos actions futures. Trouver un feu follet garé. Se reposer, guérissez un peu de fatigue. On va se reposer un peu, ouais. Ok. Ça, c'est un boss. Ruche d'orbelin. Une ruche éclipsée. C'est peut-être de là que proviennent la majeure partie des orbelins frénétiques. Quoi qu'il en soit, vaut mieux la détruire. 40 points de vie. Bah ça sera le combat final. Allez, ce sera le combat final pour cette vidéo. Alors, détruire la ruche éclipsée. L'emporter avant le début du round 9. Ouais, bah toi on va te remplacer du coup. Ok, je vais prendre un grignon. Le grignon... On va... Tu vas te pointer là, je pense. Comme ça, c'est fait. Toi, tu vas attaquer. Direct. En 2 spi, comme on dit. Toi... On va te filer un petit peu un bonus. Il va attaquer, non? Il a attaqué, ils se sont auto-détruits, c'est pas grave, en soi. Je vais prendre un tracker que je vais placer certainement ici. Pour que ce soit prêt à se battre, encore une fois, prêt à attaquer. Je vais prendre un autre orbelin que je vais placer... Alors l'orbelin, il fait quoi, le mien? Oh, il est où? Il est nul, mon orbelin. Bon, on va considérer que je te mets genre là, peut-être. Comme ça, tu vas commencer à purifier les zones d'alentour. Toi, tu vas continuer à attaquer. Change pas d'équipe qui gagne. Fin de tour. Tu vas m'attaquer mais tu vas mourir. Toi tu vas venir ici, hop, pour purifier encore une nouvelle zone. Toi tu attaques. Toi tu attaques. On change rien. Je vais conférer un bouclier à mon unité, celle-là. J'aime bien. Je vais mettre un grénon ici, pareil, pour purifier, je pense, les zones. Comme ça on va être bon également. Je vais pouvoir me soigner. Voilà, je me soigne de 2 parce que pareil, j'ai pris un peu cher, mine de rien, et il faut se méfier quand même.
Heureusement que j'avais un bouclier, sinon ça aurait été un peu complexe. Toi, je voudrais que tu vas... Ouh, tu peux attaquer à 6. Pourquoi 6? Bon, je sais pas pourquoi 6, mais ok. Toi, 4. Et là, je pourrais déjà l'achever, en fait. Ou le tuer, lui, direct. Vas-y, oh, j'ai le Kourou 9. Bon, je la tue, comme ça, c'est fait. Je vais placer un autre tracker. Bah, j'attends qu'il meure, mon tracker. Je vais mettre un ramasseur à la place. Ouais, mais là, il y a une attaque de zone quand il meurt. Non, bon, on va attendre. Ou sinon, je mets mon ramasseur ici, parce qu'on sait jamais. Parfait, on va le mettre ici. Il va se faire éclater, il va se faire ouvrir le pauvre. Il va vraiment se faire ouvrir le pauvre gars. Ok, toi tu vas détruire la roche. Et c'est validé, on a gagné. Ok, bah pour un combat final, ça s'est hyper bien passé finalement, je m'attendais à pire. Hein. Alors, récompense, eau vivante. Récupère de la santé au début de son tour. Ah bien! Les alliés gagnent régénération quand ils sont appelés. Vous gagnez autant de santé que le coup des sorts que vous lancez. Ah c'est pas mal aussi ça. Les alliés gagnent bouclier d'un montant égal à l'excès de soins reçus. En gros, je peux les soigner et... D'accord, ils sont... Par exemple, je sais pas, ils sont 6 sur 6. Je soigne de 2, ils gagnent 2 boucliers. C'est pas mal. On va faire ça. Le bouclier, ça me paraît pas mal. Eh ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous encourage à vous abonner. Lâchez le petit pouce bleu, commentaire qui fait plaisir. Sachez qu'il y a également le Super 5 maintenant. Vous savez, le petit cœur juste à côté du pouce. Si jamais vous voulez soutenir, lâchez un petit tips 1 ou 2 euros pour remercier pour la vidéo. Bah, c'est des choses qui sont faisables. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.